Wapé maman! Et tu sois ici à Zaté, quoi nous fait aujourd'hui? Arrête un peu avec le suspense. Aujourd'hui, on prépare pour vous autres le fameux rougaille de saucisse. Rougaille de saucisse? Vous ma gueule? Vous êtes pas loin de gueuler, hein? Vous faites ça rien qu'avec des saucisses, quoi? Oui, pardon, oui, mais recommence. Vous avez oublié cette partie et il recommence tout de suite. Wapé mon bang! Aujourd'hui, on prépare pour vous autres le fameux rougaille saucisse. Pas les enfants comme ça. Mieux comme ça. Hein. Alors, avant de commencer la recette et pour éviter les traditionnels savoir qui ça et pisse plus loin, m'y veut rappel à Zot que Nena autant de recettes que Nena de créole. Comme il dit toujours, l'important c'est de perpétuer la tradition. Quand même, une question me taraude. On va dire moins taraudé, t'as trouvé. Explique à moi un coup, ce qui le bouc que la décide un jour de dire tiens, nous n'a point de saucisse de la Réunion, nous va faire un rougaille saucisse avec saucisse cocktail, saucisse de Toulouse, saucisse de Lyon, les bougues. Stop in the name of love. Les pas possible. Ok, il peut avoir des variantes, mais pas dans le choix de la saucisse. Sinon, il appelle pas ça un rougaille saucisse. M'y mettra pas dans mon ventre un rougaille saucisse fait avec saucisse cocktail. Point barre à la ligne, majuscule. Non, mais c'est des y'a pas de exemple. Non, mais. Non, mais tiens, y'a pas de. Non. Non. D'accord. 1 kg de saucisse. 2 oignons. Une demi-tête l'ail. Un petit guine-guine de gingembre. 4 tomates bio. Gros sel. Poivre. Safran. Un petit bouquet de thym. Marie-Christine lui l'a pas osé dire quoi mal a vu comme ingrédient dedans. Si, il lui l'a osé. Non. Si. Non. Il nous fait chier, lui. Il lui a dit lui mettre safran dans le rougaille saucisse. Lui mettre safran. Oui, lui mettre safran. Vous êtes pas content, vous allez en colère? Colle en l'air. Et ça va faire moins de thèse qu'un rougaille, il met tomate et pas de safran. Et qu'un curry, il met safran et pas de tomate. Comme moi, l'important, c'est pas la rose, mais c'est le goût. Ben voilà. Lui mettre safran dans le rougaille saucisse. Mon Dieu Seigneur lui a tué le rougaille saucisse. Le signe de croix est nécessaire? La première étape d'un rougaille saucisse réussi, c'est we trap and marmite, M-O-R-M-I-T-E. C'est comme une marmite, mais en meilleur, une marmite. We trap vos saucisses, ou fout dedans, ou noyez azot dans l'eau, on dirait mais ça va péter, et on met à bouillir sur le feu jusqu'à ce qu'il cume. L'opération a pour but de dégraisser et de dessaler un petit peu les saucisses. En attendant, we peut jouer kin, occupe la fesse de Moon sur Instagram. Oh non, son compte les bloqués, gagne pas occupé. Et sinon, pèse kilo sucré pour pas perdre le temps. We trap l'ail, we pluche, avec le sel, le poivre, we crase. L'oignon, we pluche, we coupe. Et les tomates, il fait pareil. Oh non, mais pas tes firmes là. Pas baiser avec ce bon marmaille là. Mais sinon, quand ça y mangeait que ça t'est. Tâche ma maman. Ton téléphone. D'accord, ok, les bons. Pour la suite, mais commence par plus la moitié d'un tête live. Il rappelle à moi dans le temps, bonne grand-mère te dit, quand t'es invité à une femme pour danser qu'elle te refuse, t'es donné à Hélène Goussla et vous dit elle, bah si vous danses pas, allez plus live, mackerel. Ah, le bon vieux temps. Et cette heure, allez dire, c'est un cafrino. Vous pouvez être sûr qu'elle te trappe la tête là et elle y fait manger à vous. Franchement, elle est tellement chiante, plus live. Et cette heure nous fait face à deux écoles. Ça t'y met gingembre et ça t'y met pas. Moi-même, a choisi, mi bataille avec personne là-dessus, mi mettre un petit guinan dedans. Comme ça. Et mi foutaille dans le pilon. A yogogote qui fait pour les camarades de l'île Maurice que l'a compris cette blague. Et là, STA, c'est l'instant sportif. We trap, l'ail, le gingembre. Il peut toujours être de bon homme au cas où s'il a petit souci. Un petit peu de poivre. Un petit peu de sel. Si mémé n'a de l'attention, mette pas trop. Et ensuite, c'est l'instant s'il a un monde dans la journée, l'a fait chier à où. Et il crase. Détendre. Et à la fin, être bien. Tant que n'a pas l'aspect d'un vomi de bébé, oui, arrête pas. Ah merde. Peut-être m'a dit un truc qui dégoûte pendant que m'y fait la cuisine, n'est pas trop bon pour ma recette. Trop tard. Ensuite, sans plus attendre, oui pluche les oignons. Eh, m'y connais que m'y est beau, mais arrête rougir quand vous voyez. Moi, oui. Moi, m'y utilise ce petit affaire là pour émincer les oignons. Hésite pas de temps en temps à m'y piquer les saucisses. Wouh, va le G. Wouh, encore la péter, les gars. Et c'est là qu'on retire la fine pellicule blanche que voilà. Oui vide et oui recommence à faire dessaler une deuxième fois. Pour moi, la réussite d'un rougaille saucisse y réside dans deux trains fondamentaux. Le premier, c'est le choix des saucisses. Ça, il est indéniable. Et le deuxième, le choix de la tomate, mon bande. Si oui trappe un tomate de l'eau, on va faire un rougaille de l'eau. Par contre, si oui choisit bonne tomate, là le rougaille n'aura de goût. Et moi, comme il est en France, ben, obligé de faire avec ça que nous trouve. Hein. Le deuxième dessalage, l'est fini. Oui, rince avec de l'eau froide. Et bien sûr, les tomates, il faut couper en petits morceaux. Parce que sinon, à la fin du repas, on retrouve à où avec des morceaux de tomates disgracieux dans les dents. Et pour être un cafrine, ce serait un peu compliqué. Déjà que l'odeur de votre bouche, après un rougaille saucisse, c'est compliqué. Mais si vous rajoutez un morceau de peau de tomate sur les dents, commence un petit peu de sentir le bois de cryptomeria de la forêt de Bébourg. Hein. Ensuite, on trappe vos 4 petites tomates, un couteau à dents. Vraiment en petit morceau. Voilà ce qu'il va donner à la fin. Les accords avec ma chemise, c'est pour ça que c'est joli. Dernière opération avant la cuisson, le coupage des saucisses. Et là aussi, c'est un gros baisement. Nassatienne fait de gros morceaux quand on mange, on dirait, ou on est en train de manger un gros affaire.
Alors moi personnellement, c'est pas mon délire. NASA qui me fait des petites tranches. Pareil, vous êtes en train de couper de saucisson. Pour moi, le mieux, c'est de faire un petit intermédiaire pour avoir de la mâche et du croquant. Et vous faut pas un peu de notre gueule ou là? Calcula ou dans Top Chef, ouais. Ouais, pardon. Non, bah m'y coupe juste en fait. Mieux comment? Bon bah m'y monte azote, comment m'y fait quand même? Pas trop gros, pas trop petit. C'est parti pour la mise en friture. Par contre, moi, m'y recommande à Zod de faire frire en deux ou trois fois, sinon trop de saucisses, pour être sûr de bien faire dorer. Allez, m'y remets dans un tech-moi. Oui, allume le feu. C'est chaud. Oui, mettre une lichette d'huile. Surtout pas plus haut que le bord. Pour moi, il sert à rien de faire trop gras parce que les saucisses, ils rendent du gras en plus. Et c'était où attendre. À la fin, on enlève toutes les saucisses de la marmite et on remplace tout ça par les oignons. Quand les oignons l'a bien retenu, sans attendre, nous célébrons ici le mariage des saucisses avec les oignons. Azote, le saucisse avec oignons. Amen l'ail. Tout de suite, oui, rajoute l'ail. Et of course, you mélange. Oui, des fois, le fait de cause anglais donne une certaine contenance à mon contenu. Le thym. Alors, si Zot y veut que vous fait parle de ou grâce à autre gars, il faut mettre du thym tamar. C'est le thym qui fait faire du bruit. Thym tamar. Là, c'est l'instant où la réunion y fissure entre les deux camps. Le moment s'affronte. Ne me jugez pas, moi, j'aime ça. Bon, mais mettre une cuillère et demie en fonction de mon envie. Et surtout en fonction de la couleur. Et pour finir, les tomates. Of course, you mélange. Et pour finir, ou baisse le feu et on couvre. Et ensuite, ou attendre. Pendant la cuisson, si Zati veut, Zati peut rajouter un petit peu de l'eau si Zati aime la sauce. Pas trop non plus, faut pas noyer la saucisse, ça lui gagne pas nager. Voilà mon band, ma version du rougail saucisse. J'espère que Zot l'a aimé, que Zot l'a rigolé. Et si en plus ma donne à Zot l'envie de faire un rougail saucisse, franchement, moi sera content. Alors hésite pas, abonne à Zot et suivez-moi sur les réseaux parce que franchement, ben moi c'est beaucoup cool. Allez piouk! Ah ouais, si vous remarquez bébé de bouteille d'huile là. Non, ça c'est juste au cas où la guerre il pète demain, bien sûr que mes gars t'es frites mon carré toujours.